Bar club éphémère, soirées illégales, pour les boîtes de nuit historiques de la capitale, la concurrence est de plus en plus rude. Leur chiffre d'affaires a chuté de plusieurs millions d'euros l'année dernière. Alors pour reconquérir leur clientèle, les patrons des discothèques ont décidé d'utiliser une arme redoutable. Alexandra, 24 ans, n'est pas une noctambule comme les autres. Grâce à la façon dont je sors, j'ai quelques privilèges. Je paye pas et l'alcool est illimité et gratuit pour nous. Alexandra ne paye jamais lorsqu'elle sort. Mais elle ne choisit ni les boîtes de nuit, ni les amis avec qui elle va passer la soirée. Ça va et toi ? Elle travaille avec ses deux hommes. Simon et Alone sont ce qu'on appelle des promoteurs. Ils sont payés par des clubs parisiens pour ramener chaque soir de jolies filles. C'est la première fois qu'ils acceptent de livrer les coulisses de leur métier. Ouais, mon maquillage, il est bien là, non ? Parfait. Okay. Le but est simple. Les jeunes femmes profitent gratuitement de la soirée et doivent en échange mettre de l'ambiance dans le club. Il y a beaucoup de clients qui les invitent à boire des verres à leur table. Et quand il invite une fille, deux filles, trois filles, sa bouteille se termine très très vite. Le but, c'est de faire reconsommer pour repayer une autre bouteille. Et de les inciter à boire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que plus ils boivent, et plus ils payent, et plus on gagne de l'argent. La méthode peut sembler choquante, mais selon ces deux promoteurs, dans la guerre de la nuit à Paris, leur rôle est devenu capital pour les boîtes de nuit traditionnelles. L'usage des promoteurs pour eux est vraiment primordial. Sans promoteur, la boîte vraiment elle coule. Je peux me faire un salaire plus important que des gens qui ont des diplômes et qui ont un très bon boulot. Le salaire c'est entre 1 500 et 5 000 euros. Il est minuit, les discothèques vont bientôt ouvrir leurs portes. Ce soir, Alexandra n'est pas seule. Un groupe de filles est aussi au rendez-vous. Bonjour. Alors, j'espère que pour ce soir, t'es prête ? Ouais, je suis prête. Elles vont danser, boire et sympathiser avec les clients pour les inciter à acheter plus de bouteilles. Toutes acceptent le marché, car elles vont passer la soirée gratuitement dans l'une des boîtes de nuit les plus sélectes de la capitale. Et qui sait, peut-être, rencontrer un bon parti. J'en ai marre des filles qui arrivent à la bourre, là. Ça, j'ai avec eux. Mauvaise surprise pour Simon et Alone. Deux jeunes femmes manquent à l'appel. Or, les promoteurs sont payés pour qu'un maximum de jolies filles soient présentes. Simon doit trouver une solution. Il vient de repérer trois belles inconnues. Écoute, voilà les filles, enchanté. Je bosse aussi comme promoteur ce soir. Comme je trouve, vous avez toutes les trois un joli style. Est-ce que par hasard, vous êtes avec un promoteur ce soir ou pas ? Ouais, avec qui ? Pas de chance pour Simon. Un concurrent a déjà mis la main sur ce groupe de filles. Le promoteur espère malgré tout les embaucher pour une prochaine soirée. Bon les filles, je vous laisse m'écrire vos numéros. Allez, bonne soirée. À très vite. Tant que je peux recruter, je recrute moi. C'est l'une des qualités requises pour être promoteur. Tu vois. Enfin, vraiment, il faut avoir nos limites, il faut avoir aucune timidité. Si t'es timide, que tu oses pas, bah c'est mort. 1h du matin, les premiers clients arrivent. C'est exactement ce type de profil que les filles des promoteurs doivent cibler. On y va les filles ? Allez. Filmez pas la porte, s'il vous plaît. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Aucun patron de boîte de nuit n'a souhaité s'exprimer sur ces méthodes qui flirtent avec la légalité. Un business très secret. Seuls Simon et Alone ont accepté de témoigner. Et selon eux, depuis quelques mois, de plus en plus de clubs font appel aux promoteurs et à leurs jolies filles. Dans ces vidéos tournées à l'intérieur de plusieurs de ces discothèques, on voit Alexandra et d'autres jeunes femmes recrutées par les promoteurs. Elles dansent et séduisent des clients pour les inciter à acheter toujours plus d'alcool. C'est exactement ce qui se passe ce soir pour Alexandra et les autres filles recrutées par Simon et Alone.
Écoute, là, les filles, elles sont à la table. Elles sont en train de s'amuser, elles dansent, elles boivent et tout. Grâce à elles, plusieurs bouteilles de champagne à 400 € ont déjà été vendues. Et le promoteur sait que cela peut aller beaucoup plus loin. Donc c'est des mecs qui ont de l'argent et qui sont ici pour s'amuser, pour dépenser. Après, il n'y a aucune limite. Ça peut être 1 000 €, ça peut être 2 000, 5 000. Une fois, t'as un mec qui a posé 150 000 ici. C'est nos limites. Le franc-parler de Simon ne semble pas être du goût des patrons du club. Je peux même avoir des princes arabes et tout qui viennent, voire même des célébrités. Merci. Encore une fois, on nous demande de quitter les lieux. Jolie fille, argent, un cocktail détonnant qui dérange. Ces fêtes clandestines sont de plus en plus prisées par les noctambules parisiens. Certains businessmen de la nuit l'ont bien compris et comptent exploiter le filon. Joshua est un investisseur new-yorkais, installé en France depuis 8 ans. Ce jeune patron est à la tête d'un petit empire en pleine expansion. Avec 2 associés, il a déjà ouvert 4 bars-restaurants construits autour de nouvelles stratégies marketing. C'est dans le quartier branché du Marais qu'est installé celui qui lui rapporte le plus d'argent. Donc là, on arrive à notre premier établissement, Candelaria, un restaurant 100% mexicain, tout fait maison. Voilà, bienvenue. À première vue, nous sommes bien loin du monde de la nuit. Nous voici dans un snack, tout droit sorti de Mexico. C'est un petit restaurant mexicain, mais j'ai aussi quelque chose d'autre à vous montrer. Suivez-moi. Mais la Candelaria a une face cachée. Derrière cette petite porte, sans aucune indication, au fond de ce couloir, un bar à cocktail où la jeunesse parisienne cherche un peu de nouveauté. Le concept est inspiré de l'époque de la prohibition aux États-Unis, quand les arrières-salles des commerces étaient transformées en bars clandestins. Mais à la différence des années 20 et des fêtes d'Aladin, ici tout est légal. L'illusion de clandestinité n'est qu'un concept marketing. Monsieur, ça sera un gin mule à base de gin, citron vert, ginger beer. Ça lui fait 12 € s'il vous plaît. En termes de chiffre d'affaires, on est toujours en train de monter. C'est un bar qui est rentable, oui, c'est un succès. Joshua a été le premier à Paris à importer ce concept, revenu à la mode il y a quelques années à New York et Berlin. Et je pense que là, on est dans un endroit qui change d'habitude. Le business de Joshua est florissant. Il emploie 60 personnes. Et il est bien décidé à surfer encore sur la vague de la clandestinité. Il a prévu d'ouvrir 2 nouveaux bars à Londres et à New York. Terminer les boîtes de nuit traditionnelles qui semblent démodées. La dernière tendance, des lieux éphémères, comme cette immense friche industrielle dirigé par Denis. On a une première terrasse, un bar pétanque puisque là les gens vont chercher leur jeu de boules. On y entre pour l'apéro et on en sort à l'aube. On dîne, discute, boit un verre et passe la nuit au même endroit. On va avoir des problèmes avec les voisins là. Depuis peu, Paris voit fleurir des clubs dont la stratégie marketing est inédite. De faux bars clandestins où tout est pensé pour que le noctambule se sente dans un espace interdit et transgressif. Les boîtes de nuit classiques tentent de résister. Leur dernière arme, engager de très jolies jeunes femmes pour attirer plus de clients et les faire consommer. Dans cette guerre de la nuit, les dealers eux aussi se modernisent. Ces trafiquants nouvelle génération se fournissent sur Internet avant d'aller livrer leurs clients directement dans les soirées. Des fêtes branchées aux boîtes de nuit select. En passant par les fiestas les plus déjantées, enquête sur les nouveaux rois de la nuit parisienne. Nous sommes à 2 pas de la gare du Nord.
dans une ancienne zone industrielle appartenant à la SNCF. 7 mètres de bambou et un petit retour ici pour vraiment que ça soit un peu cosy pour les filles. Denis dirige le plus grand bar club éphémère de Paris. Des anciens garages de triage, 4000 mètres carrés, qui loue seulement 100 euros par jour à la SNCF. La société est l'un des principaux propriétaires fonciers de la capitale. C'est que le public prend les chaises, les déplace. Denis et son équipe ont entièrement transformé ces voies et hangars abandonnés en temple de la fête éphémère. Chaque soir, ils accueillent plusieurs centaines de jeunes Parisiens. On a des jardins, on va pouvoir jouer à la pétanque, au molcu, etc. On a une première terrasse, un premier bar qui est le bar pétanque, puisque là les gens vont chercher leur jeu de boules. 2 restaurants, 4 bars, une boîte de nuit, des animations et une boutique bobo. Denis a travaillé son concept. Ici, tout est prévu pour que les noctambules restent de l'apéro jusqu'au milieu de la nuit. Il a fallu moins d'un mois pour aménager l'endroit. L'équipe est sur les rotules. Ouais, demain, je vais chercher ma fille. Ça fait 3 semaines qu'elle est chez ma mère. Ah, d'accord. Bon, elle n'est pas une semaine près. Hein. Non, mais tu rigoles, elle n'en peut plus. Elle me menace avec l'extérieur. Ça fait juste 30 jours qu'on travaille d'affilée, là. Ouais, non-stop. Non, mais je te jure. Halte au cadence infernale. C'est pas à cause de moi. Non. Si l'équipe se donne autant de mal, c'est que la concurrence est rude. Les lieux éphémères sont la dernière tendance des soirées parisiennes. Et la capitale est en pleine mutation. Cette année, Paris voit fleurir une multitude de bars, péniches et boîtes de nuit qui ne vivront que le temps d'une saison. Créer un espace à la durée de vie limitée pour susciter l'engouement des fêtards, c'est la nouvelle stratégie des businessmen de la fête. Dans l'ancienne friche industrielle de la SNCF, au moment de l'ouverture. Bonsoir. Denis a investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour transformer ce lieu à la durée de vie réduite. L'entrée n'est pas payante. Le patron fait son bénéfice, surtout grâce à l'alcool, vendu plus cher que dans un bar classique. Oh, il te l'a mise ! La clientèle visée, les jeunes actifs bobos, entre 25 et 40 ans, qui peuvent payer 28 euros pour une bouteille de rosé. Il faut plus de 500 clients qui consomment chaque soir pour rentabiliser le bar club éphémère. On a 4 mois pour se faire, comme on dit, pour se refaire. C'est-à-dire qu'on a investi beaucoup d'argent là-dessus, sur ce projet-là. Denis fait le pari de soirées d'un nouveau genre, entre café sauvage et décontraction chic. Une recette avant-gardiste inspirée des grandes capitales de la fête. On est un peu à Berlin, on est un peu à Brooklyn. En tout cas, on n'est plus vraiment à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, on avait l'habitude de lieux plutôt assez normés. Et ce soir, cette offre atypique semble fonctionner. En cette belle soirée d'été, les Parisiens sont au rendez-vous. Mais une bonne impression ne suffit pas. Le patron a besoin de certitude. Bon, salut les gars, on est à combien là ? 1250 personnes à peu près. D'accord, bon donc là on bloque un peu. Ce soir, 1250 personnes ont déjà choisi le club de Denis. Bah, le beau temps est avec nous, donc forcément les gens ont envie de prendre le soleil, en tout cas ce qu'il en reste. Et du coup c'est un très très beau succès, ouais. on est très très contents. À 21h, les fêtards convergent vers la boîte de nuit, où l'entrée est aussi gratuite. Là, on va avoir des problèmes avec les voisins là. Denis est inquiet. Le bruit dérange les habitants du quartier. Gisèle et Constant habitent ici depuis 43 ans. Ouais, regarde, le monde qui arrive. Regarde, ça continue à descendre. Et puis alors tout le monde s'agglutine devant le bar. Ils sont serrés comme des sardines bientôt même. C'est un troupeau de moutons en fin de compte. Hein. Depuis un mois,
Constant, 58 ans, a un petit rituel. Chaque soir, il dégaine son téléphone portable. C'est pas professionnel, mais bon, on va se nommer, voilà. Ah oui. Ça oscille à peu près entre 75 et 80. Mais c'est infernal au bout d'un moment. 80 décibels, c'est un réveil. C'est un réveil. Ça veut dire que tu as besoin de 80 décibels le matin pour te réveiller. Ouais. Donc là, c'est pas la peine de dormir, t'es déjà réveillé. La loi stipule que tout bruit dérangeant entre 22h et 7h du matin peut être considéré comme du tapage nocturne. Le couple et une dizaine de voisins ont porté plainte il y a un mois, mais rien n'a changé. Alors ce soir, à Cran, Gisèle et Constant décident d'aller se plaindre auprès de Denis. Ça doit faire cage de résonance. Et dans la chambre, comme j'ai une fenêtre d'un côté, une porte-fenêtre de l'autre, c'est affolant. On se fout du monde, en définitive, c'est se fout du monde. Mais vous avez vu qu'on... Parce que, on prend ça plein la gueule. Vous avez vu qu'on est en train de construire une petite maison, là, dans le jardin? Oui. Ça va être un peu notre kiosque à musique. Ah. Oui, donc on va venir vous jouer la sérénade en bas de votre balcon, madame. c'est très perturbant, quand même. La création d'une scène devant accueillir un groupe de musique juste sous leur fenêtre et la provocation de trop pour Gisèle et Constant. Votre appel a bien été pris en compte. Toutes les lignes sont actuellement occupées. De retour chez eux, ils tentent immédiatement de contacter la préfecture de police. Bonjour, votre appel a bien été pris en compte. Toutes les lignes sont actuellement occupées. Ne c'est comme pas. Ça, tout à fait. Nous allons répondre en vain. Bientôt, on va aller voir le médecin, il va nous donner de l'exomil et puis une aspirine pour les laisser jouer. Constant et Gisèle passent à l'action. Quand j'étais jeune et que je manifestais, je faisais des banderoles. J'étais spécialiste en couture. Gisèle a le sentiment de se battre dans le vide. Je ne sais plus quoi faire. Il y a des moments où j'en pleurerai, je vous assure. Mais ce soir, elle est décidée à faire passer son message coûte que coûte. Je ne sais pas si je vais en avoir assez de mon tissu. Je vais peut-être le mettre comme ça. Donne-moi des pinces à linge. La révolte du couple peut sembler dérisoire. En contrebas, la banderole passe totalement inaperçue. Mais Denis sait qu'il risque une fermeture administrative du jour au lendemain si les plaintes s'accumulent. Alors pour apaiser les voisins mécontents, le patron acceptera dorénavant de fermer son bar club éphémère à minuit. Au lieu de 2h du matin. Denis sait malgré tout que son club peut à nouveau être menacé. Alors le businessman de la fête pense déjà à un plan de repli. Denis est toujours à la recherche d'endroits étonnants. Vous êtes sur un site extraordinaire de plus de 9000 mètres carrés. À deux pas du périphérique, à Saint-Denis, ces anciens hangars de la SNCF sont à l'abandon depuis 15 ans. De quoi inspirer les nouveaux rois de la nuit parisienne. Denis est en concurrence avec trois autres chefs d'entreprise qui veulent comme lui transformer cet immense terrain en discothèque éphémère. C'est très très inspirant, complètement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent et vraiment magique. Le vainqueur de l'appel à projet sera désigné dans 2 mois. S'il est choisi, Denis a prévu d'investir plus de 200 000 euros pour créer un nouveau spot de la nuit parisienne.